expose notre texte de base. On avait lu un psaume chapitre 1 qui va me rappeler ce psaume. Donc bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Bienvenue. Regarde ton bien-aimé, psaume 51, verset 19. Regarde ton bien-aimé, dis-lui, tu es béni. Dis-lui, ton moi est béni. Ton moi est béni. Du côté de Dieu, là, rassis-toi, ton moi est béni. Dans tout ce que tu dois faire de ton côté, c'est d'être à ton poste. Amen. Amen. Quand Dieu a déjà dit qu'il va faire sa part, toi seulement tu cours avec ce qu'il a dit. Psaume chapitre 51, verset 19. Il va arriver un temps où des gens attendront dehors l'heure du culte. J'aime bien ce genre de révélation parce que rien qui est là pour le montrer. Vous comprenez? Donc j'aime quand c'est comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que je vois et que je dis. Vous me comprenez? Et je le dis, viendra un temps où les gens attendront avant d'entrer l'heure du culte. Fatigué? Amen. Fatigué? Amen. Ah, j'ai une fréquence. Amen. Donc, psaume chapitre 50. Dis à ton voisin, bats-toi, hein, parce que peut-être ta place est prise. Ce n'est non pas à cause de moi, mais à cause de ce que Dieu veut faire dans nos générations. Vous savez quand, par exemple, avec, j'ai juste entendu sur les infos, qu'il y avait je ne sais pas si c'est le leader ou le capitaine, mais de l'équipe qui joue au rugby de France, là, qui avait été un peu touché. Amen. C'est le capitaine ou je ne sais pas, c'est le meilleur joueur, même de tout, du monde même. Donc le meilleur joueur de l'équipe. Vous savez, quand vous êtes dans une équipe, il y a toujours un capitaine. Sa présence est due à des facultés qu'il a d'aller faire ce que les autres ne pourront pas faire pour l'équipe. Et la seule chose que Dieu fait quand il place un leader au milieu de vous, c'est comme pour être le capitaine de là où on va aller. Et le fait que souvent il devait peut-être s'absenter à certains matchs, les gens étaient un peu attristés. Ça veut dire au fait que quand vous avez une équipe, misez sur votre capitaine. Parce qu'il va ouvrir un chemin pour vous tous. Quand il dit miser, c'est-à-dire que priez pour votre leader. Parce que c'est lui qui attrape le ballon. Amen. Amen. C'est lui qui a des dribbles bizarres. Amen. Amen. C'est lui qui a des aptitudes bizarres. Et c'est souvent lui qui est souvent ciblé que tout le monde. Moi, je le dis, hein. En réalité, quand quelqu'un sait où il veut aller, qu'il a trouvé son leader, il commence à dire, Seigneur, fais-le avancer. Parce que si lui, il avance, nous aussi, on avance. Amen. Vous comprenez? Si lui, là, il monte au niveau 100, nous aussi, on rentre dedans sans effort. Amen. Amen. Je ne sais pas, mais comme vous me comprenez. Amen. Moi, je ne suis pas le genre de capitaine qui va dire que non, je n'ai pas besoin de vous. Hein. Moi, je reconnais que pour là où la grandeur à laquelle tu m'appelles, j'ai plus besoin de la prière des saints que n'importe autre chose. Parce que le genre de choses que Dieu veut m'emmener à faire, peut-être vous-même vous allez dire, attends, c'est cette personne-là, c'est ça que Dieu m'a appelé. Amen. En réalité, même si Dieu m'a fait la grâce d'être homme d'église, ma mission première n'est pas celle-là. Homme d'église, quand il dit homme d'église, c'est-à-dire que c'est sédentaire. C'est pas ça mon appel.
Ça, c'est une fonction qu'il me donne par sa grâce. Moi, je suis un envahisseur. Je suis un conquérant. L'esprit que Dieu m'a donné, c'est d'aller là où les gens ne l'ont pas pu. Et je l'ai vu que quand on était à notre retraite, il y avait la fille d'une femme qui priait à la fin de la prière. Elle a dit, pasteur, qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Et eux-mêmes, ils en donnent les témoignages. Elle, depuis qu'elle est à l'église, elle n'est pas connectée. Elle n'est pas connectée à nos choses de prière. Donc sa fille vient à l'église depuis des années. Même son mari, son père, je crois qu'il est docteur, enseignant. Et la mère aussi, elle prie. Mais leur fille, insensible aux choses de Dieu. Donc le jour où on a fait la retraite, c'est moi qui ai conduit la prière. Moi, je ne la connais pas. Mais à la fin de la retraite, elle passe son temps en train de pleurer. Elle passe son temps en train de pleurer. Et puis elle demande, qu'est-ce que tu as fait? Donc moi, j'ai eu peur. Je croyais que j'ai fait quelque chose de mauvais. Et Dieu, en fait, ça n'est jamais arrivé à ma fille. Jamais on l'a vu pleurer dans la présence de Dieu. Jamais. Moi, il a dit, hey! Vous êtes en face de moi, vous témoignez que ça, c'est la première fois. Et j'ai compris un peu le champ de destinée que Dieu m'appelle à être. Là où c'est dû comme le caillou, il y a des gens qui l'ont préparé pour ça. J'ai dit Psaume chapitre 51, le verset 19. Viens avec moi, on va conquérir les nations. Je vous dis un peu la vision que j'ai dans mon cœur. Parce que souvent, c'est important que celui qui est en face de toi te dise. Moi, dans mon esprit, et ça va arriver. Et je le dis parce que je sais que ça va arriver. On aura des réunions autres hors dimanche. Ce sera des réunions où les gens sont bousculés pour venir. Parce que ces réunions-là, ce sera des réunions pour les signes, les prodiges et les miracles. Ce sera des réunions où tous ceux qui seront désespérés vont se dire, il y a un individu là, il a des réunions. Là-bas, quand tu vas, tu vois la main de Dieu. Mais ce ne sera pas des réunions ordinaires, ce sera des réunions conduites par le Saint-Esprit. Des réunions où les gens malades, on aura des espaces où des gens malades viendront jusqu'à remplir. Peut-être pas se battre, même elle est malade pour dire qu'il n'y a pas place. Et c'est vous qui allez être débordés. Parce que tous ces malades-là, je ne prierai pas pour eux. C'est vous-même qui allez être débordés. Parce que c'est votre préparation qui est là. Parce que c'est moi qui vous dis, hey, toi, là, prie pour ce malade-là. Prie pour lui. Amen. Amen. C'est à ces choses-là que Dieu m'appelle. Et même quand je me déplacerai dans un autre pays pour tenir ce genre de réunion. Vous me comprenez? Et quand les gens m'inviteraient, ce sera pour ça que les gens m'inviteront. Pour dire qu'il y a quelque chose de pas normal avec cet homme-là. Pas à cause de moi, mais à cause du genre de destinée que Dieu m'a appelé à manifester. Amen. Parce que Dieu nous a appelés pour le réveil. Je ne serai pas le seul à le faire. Mais il y aura plusieurs de notre génération qui le feront. Amen. Toi aussi, tu le feras. Psaume chapitre 51. Je vais terminer avec ce que c'est un esprit brisé. Pourquoi j'avais parlé d'un esprit brisé? Donc là, j'entre dans le message, merci Saint-Esprit. Parce que c'est un état d'esprit que quand tu ne l'as pas, même si Dieu te remplit, tu vas te vider plus tard. C'est un champ d'esprit qu'il faut garder, entretenir, pour rester de manière continuellement dans la présence de Dieu. Pour rester en alerte, pour rester éveillé. Lisons, quelqu'un qui l'a peut lire rapidement. Je veux qu'on ouvre avec ça. Allons-y, quelqu'un qui l'a. Psaume chapitre 51, le verset 19. Les sacrifices à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas. Tu ne dédaignes pas, c'est-à-dire que tu ne refuses pas un cœur brisé. Et humilié. Amen. Voici ce passage.
Et comme je dis que souvent, il peut être difficile à comprendre. Mais là, je vais vous expliquer l'esprit. Et c'est ce que je vais commencer dimanche dernier. L'esprit de ce passage. Parce que ici, si on parle de cœur brisé, ce n'est pas de manière francophone, on va croire que c'est le cœur triste. Ou on va croire que c'est le cœur qui a vécu une tragédie. Mais Dieu ne peut pas dire qu'il aime le genre de cœur qui a vécu une tragédie. Ça va être contradictoire. Il dit les sacrifices qu'il agrée, les sacrifices qui lui plaisent, c'est le voir un cœur brisé. Donc de quel brisement il parle? C'est le brisement de la chair. C'est le brisement de la suffisance humaine. C'est le brisement de l'orgueil humain. C'est le brisement de l'insensibilité humaine. Parce que quand ton cœur est brisé, tu ne peux plus être insensible au fardeau de Dieu. Je noterai qu'un esprit brisé, c'est un état d'esprit où nous sommes sensibles aux choses spirituelles. C'est similaire à heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Amen. Parce que celui qui est pauvre en esprit, c'est celui qui sait qu'il a besoin de la richesse de Dieu, de la grâce de Dieu pour aller là où il doit aller. C'est quelqu'un qui sait qu'il ne possède pas certaines choses, mais qui est maigri de manquer et qui crie à Dieu pour les avoir. Un esprit brisé, c'est brisé par rapport à l'orgueil humain, par rapport à la dureté humaine. Parce que dans certaines versions, on parle d'un orgueil brisé. Parce que quelqu'un qui n'a pas été brisé ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Dieu élève toujours les gens brisés. On le dit souvent, mais brisé de quoi? Pas humainement, physiquement. Mais brisé de l'intérieur. C'est-à-dire que finalement, la personne ne donne plus de valeur à ce qui est éphémère du monde. Dieu a élevé Jacob parce que Jacob a eu la hanche brisée. C'était un message caché pour dire que Dieu élève ceux qui ont le cœur brisé. Dieu entend les prières de ceux qui ont le cœur brisé. Mais pas le cœur brisé par le chagrin de la vie, pas le cœur brisé par les déceptions, mais le cœur brisé de la chair, de l'orgueil humain, de l'insensibilité, de la vantardise de l'homme, de l'arrogance humaine. Vous me comprenez? C'est que ton orgueil tombe. Ce qui faisait ta fierté tombe. Ce qui faisait ta force, ce qui faisait que tu te croyais fort tombe. Tant que ça ne tombe pas, Dieu ne te lève pas. C'est pour ça que la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Parce que les hommes, c'est ceux qui ont été brisés par Dieu. Quelqu'un me comprend? Un esprit brisé, c'est un esprit qui est vivant par rapport à l'esprit, mais mort vis-à-vis de la chair. Brisé dans la chair, mais vivant pour Dieu. Un esprit brisé, c'est un esprit qui désire voir le plan de Dieu s'accomplir. Pas le plan du monde s'accomplir, mais le plan de Dieu s'accomplir. Un esprit brisé, c'est un esprit qui n'est pas indifférent aux peines et aux malheurs. Vous savez, l'insensibilité aux peines et aux malheurs montre que tu n'as pas encore l'état brisé. Quand tu es un cœur brisé, je vous dis que souvent quand je prie, à chaque fois que je prie, je pense au nombre de morts en Ukraine. Souvent, on dit que ça arrive à 650 000 personnes. Mais là, on coule. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai réalisé, je me dis, 650 000, peut-être même ça, c'est ce qu'on a caché. On fait soin de ne pas dire. Mais des gens sont morts comme des pains là-bas. Et continuent de mourir comme des petits pains là-bas. C'est quand je prie, Dieu met mon esprit. Et que je vois cette zone, je dis, mais c'est quel malheur ça? C'est quelle mort ça? Tu vois, le fait même que tu ne connais pas le chiffre, ça montre ton insensibilité. Et puis je dis, je regarde un peu la partie. Je vois Turquie, tremblement de terre, 50 000 morts. Je vois Maroc. Mon esprit souvent voyage comme ça. J'imagine comme ça. Et puis, je vois Maroc, je vois Libye, je vois d'autres pays. Mon cœur est dans la peine. Mon cœur est dans la peine. Mon cœur est dans la peine. Quelqu'un n'a pas un esprit brisé. Il va manger seulement. Mange-moi.
de sa famille, ça ne lui dit rien même du tout. Il voit ce qui ne va pas, mais il dort comme si de rien n'était. Tiens, comment ça, c'est pas normal. Personne ne peut avoir Dieu dans sa vie et être insensible au malheur et aux peines des autres. Un esprit brisé, c'est un esprit qui porte des fardeaux. Tu as des fardeaux comme si tu es en grossesse spirituelle. C'est un esprit de gémissement. C'est un esprit d'enfantement. C'est un esprit qui n'a pas d'autre recours que recourir à Dieu. C'est un esprit qui crie à Dieu jusqu'à ce qu'il intervienne. C'est un esprit qui crie à Dieu jusqu'à ce qu'il intervienne. Et puis on était allé dans Néhémie. Je prends de là où on était. On est allé dans Néhémie, Néhémie chapitre 1. Et puis j'avais dit, Néhémie était un échanson, quelqu'un qui servait du vin au roi à cette époque. C'est comme si toi, tu es un peu comme parmi les personnes qui s'occupent au niveau culinaire du président. Et puis tu es étranger dans ce pays. Néhémie chapitre 1, c'est ça? Néhémie chapitre 1 à partir du verset 4. Et j'avais dit, on peut remonter un peu plus haut, au verset 2, c'est un des frères de Néhémie qui vient, Anani, l'un de mes frères, Anani, l'un de mes frères, et quelques-uns arrivaient de Juda, et je les questionnais au sujet des Juifs. Donc un de ses frères, vous pouvez expliquer le contexte, ils étaient à l'étranger. Et à l'étranger, Néhémie était un peu comme dans le corps diplomatique du roi. Et un de ses frères vient de Juda, c'est-à-dire maintenant de son pays d'origine, du pays, comme si tu veux du bled, il vient et lui dit, je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il se soucie de la gloire de Dieu. Parce que Jérusalem là représente la présence de Dieu. Il se soucie de la présence de Dieu. Il se soucie de voir un esprit. C'est un esprit qui se soucie de voir la gloire de Dieu dans un lieu. Quand on était à explosion de gloire, on avait vu Marie. Marie qui était en peine de ce que le maître avait disparu. Et elle s'était mise à pleurer. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut voir Dieu dans un lieu. Quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu dans un lieu. Un esprit brisé, c'est un esprit qui n'est pas satisfait du niveau où il est. C'est tellement vrai que parmi les prophéties de cette église, c'est à ça qu'on va venir pour arriver vers la fin. Parmi les prophéties de cette église, il y en a une qui avait perdu cet état d'esprit. On va le voir tout de suite. Mais terminons avec Néhémie. Anani, un de mes frères, et quelques-uns arrivaient de Juda, et je les questionnais au sujet des Juifs réchappés et qui étaient restés de la captivité. Et au sujet de Jérusalem, il me répondit, écoutez très bien, ceux qui sont restés de la captivité, c'est qu'ils ont échappé à la captivité, ils ont échappé à l'esclavage, ils ont échappé à la domination, ils sont restés de la captivité, ils sont là dans la province au compte du malheur. C'est ce qu'un des frères de Néhémie vient dire à Néhémie. Ils sont au compte du malheur. Ça ne va pas. Ça ne va pas à Néhémie. Et de l'opprobre. Et puis il dit les murailles de Jérusalem, c'est-à-dire que l'église de Dieu, les murailles sont en ruine. Ils sont détruits. Pour vous expliquer un peu le contexte, on a détruit le temple de Dieu. Les murailles sont en ruine. Il nous dit Jérusalem, les murailles qui entouraient Jérusalem sont tombées. Parce qu'au temple de David, David avait bâti des murailles pour protéger tout Jérusalem. Et puis on veut dire à Néhémie, les murailles que David, ton grand-père, a fait, ces murailles sont tombées. C'est pas seulement tombé, c'est en ruine. C'est en état de délabrement. Il dit, et ses portes sont consumées par le feu. C'est-à-dire que Jérusalem, la gloire de Dieu, Jérusalem, le lieu de la présence de Dieu, le lieu où coulait le lait et le miel, regardez, les portes étaient consumées par le feu. Jérusalem a été ravagée. Jérusalem a été détruite. Jérusalem est emportée par les ruines et par le feu. Et verset 4, c'est ce qu'on avait dit dimanche dernier. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. Quand tu as un esprit brisé, quand tu vas entendre seulement juste des informations, ton cœur ne peut pas rester sensible.
Dis à ton voisin, qui t'a rendu insensible comme ça? Dis à ton voisin, qui t'a rendu insensible comme ça? Je m'assis et je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Et je vous ai dit, hein, ce n'est pas les désolations que nous on a, on est découragé, on ne veut plus prier, on ne veut plus parler, on se déconnecte de tout, on est dans notre bulle, on est dans les vagues de l'âme. Lui, il dit, il fut plusieurs jours dans la désolation. Et après, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Une désolation qui l'emmena à jeûner et à prier. La désolation qui vient de l'esprit, là, ça t'emmène à jeûner et à prier. Ça t'amène à dire, oh Dieu, là, je ne mange pas. Ça t'amène à dire, laisse-moi, je vais prier. Mais que c'est une désolation qui vient de l'âme humaine. C'est selon ce qu'il a dit, la tristesse qui vient de la chair, là, est conduite à la mort. Mais celle qui vient du Saint-Esprit, là, est conduite à la vie. C'est tellement vrai. Parce qu'il y a deux formes de tristesse. Il y a deux formes de désolation. Il y a deux formes de brisement. Il y a le brisement, c'est émotionnel, charnel. Là, ça fait que tu t'assois et tu n'avances plus. Tu es découragé. Mais ce n'est pas du brisement de l'esprit. Ton esprit est dans une inclinaison et tu dis, oh Dieu, pourquoi ça s'est arrivé? Et je vous ai dit que quelqu'un est dans un état brisé. On ne va pas lui dire jeûne. Lui-même va se mettre sur un programme de jeûne. Lui-même va se mettre sur un programme de prière. C'est parce que les gens n'ont plus, ont perdu cette sensibilité qu'on doit le dire. Il faut que tu jeûnes. Et tu sais, ça doit être bon que tu dois prier. Si tu pries, Dieu va faire. Hey, quand quelqu'un est insensible, tu n'as pas besoin de lui enseigner ça. Tu n'as pas besoin. Pourquoi je presse ça? Parce que c'est le moteur qui fait que tu vas garder ta flamme jusqu'à la fin. C'est le moteur qui va faire que tu vas rester continuellement fort. Parce que tu es toujours sensible à Dieu. Vous me comprenez? Sensible. Parce que le plus dur, c'est est-ce que tu peux continuer au fur et à mesure des années à rester sensible à Dieu? Tu peux avoir vieilli dans les choses de Dieu, mais tu perds ta sensibilité. Tu perds ton état d'esprit. Tu perds l'état d'esprit qui faisait que tu faisais les bonnes choses au départ. Donc souvent, la plupart d'entre nous, ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu ça, mais on a perdu cette grâce. On a perdu cet état. Les années passent. On devient encore plus dur spirituellement parlant. Plus insensible même. Prier même, ça nous dit, ça ne craint rien en nous. Comment quelqu'un peut devenir fort comme ça? Donc pour moi, j'estime que si quelqu'un veut rester enfant spirituellement, c'est cet état-là qu'il doit garder. Cet état d'enfant. Il dit, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je dis, ô éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui s'est mis à prier, toi qui as gardé ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive. Hey. Que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Des enfants d'Israël, nous péchons contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé, nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Tu pourras continuer à lire toute cette prière. Chapitre 2 de Néhémie. Il a prié jusqu'à la fin du chapitre 1. Au chapitre 2, on dit au mois de Nissan, ça doit être avril-mars, la 20e année du roi Artaxerxès. Comme le vin était devant lui, c'est-à-dire que lui, il est dans la présence du roi. Je pris le vin et j'offris au roi. C'est-à-dire que Néhémie, il partait toujours à ses occupations professionnelles. Vous me comprenez? Il avait un travail. Il dit, je pris le vin et j'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Il y a deux formes de tristesse en ce monde. Et dans les Épîtres, il y a un verset qui le dit. La tristesse du monde, ça mène à la mort. Et la tristesse du Saint-Esprit, ça mène à la vie. Ça sauve. Vous me comprenez? Tiens, ton voisin, de quelle tristesse es-tu animé? Par tes actions, tu vas connaître laquelle. Si c'est la tristesse du Saint-Esprit, si c'est la tristesse du Saint-Esprit, quand même on finit comme ça, toi-même tu commences à dire non, il faut que j'aille prier. Il dit, je n'ai jamais,
jamais je n'avais paru triste en sa présence. Dès qu'il croit son N plus 1. Et puis il est là comme ça. Tiens le vin. Et puis il s'en va. Son N plus 1. Vous savez, il lui demande. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvaise mine? Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pas pourtant malade. Vous savez, souvent ce n'est pas toi qui as des problèmes, hein, mais tu penses à la peine des autres. Quelqu'un qui a un esprit brisé, ça peut aller chez lui. Némi n'est pas malade. Némi a un travail politique, autorité. Némi fait ça. Un gros salaire. Mais Némi croit son N plus 1. Et puis il dit, tiens le vin. Puis c'est retour. Et son N plus 1 lui dit, pourtant tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Là, tu peut-être que tu as dû avoir un gourmet, comme disent les Ivoiriens. Une femme t'a dû te jouer les tours et puis c'est pour ça que tu es triste. Vous me comprenez? Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Pourquoi je vais rester et je vais me plaire dans ce palace-là tandis que ma famille, là, ça ne va pas? Mes parents ne connaissent pas Jésus. D'autres sont malades. D'autres travaillent bloqués. D'autres situations bizarres. Souvent là, si Dieu ne t'a pas donné des yeux de prière, au moins observe, tu vas voir des yeux de prière. Au moins entends les informations, tu vas voir des yeux de prière. Au moins entends quand quelqu'un vient t'expliquer les problèmes là. Au moins tu découvres, tu observes. Tiens ton voisin, toi il n'y a rien qui te dérange. Dis-lui bien, il n'y a rien qui te dérange. Ta fille, elle te plaît comme ça. Même ce matin, quand je me levais, j'ai dit non, je ne suis pas satisfait. J'étais en train de planifier même un programme dans ma tête, moi-même, mon propre programme, d'aller chercher Dieu plus que ce que je l'ai fait avant. Souvent là, c'est les grandes frustrations que viennent les plus grandes victoires. Souvent quand tu as une frustration, ne pense pas que c'est parce que le ciel est contre toi. La frustration est souvent provoquée pour que tu ailles chercher Dieu. La frustration souvent, quand tu veux avancer, tu sens qu'il y a des oppositions là. Va chercher Dieu, il va te montrer. Mais si tu t'arrêtes devant la frustration, ah j'ai fait, ça n'a pas bougé. J'ai fait, ça n'a pas marché. Et tu t'arrêtes. C'est le moment d'utiliser les gros moyens. Allons-y dans l'Apocalypse. Tu pourras lire l'histoire de Némi. Parce que c'est quand il a expliqué sa peine. Après, le roi lui a dit, ok, je vais te donner moi-même des ressources. Quand tu te mets en peine des causes divines, le ciel ouvre les portes. Némi, le roi a pourvu au bois. Le roi lui a donné des connexions. Tu vas le voir telle personne. Tu vas le voir telle personne. Ils vont t'aider à rebâtir ta maison. Mais s'il était là comme ça, il était tout. Il faisait comme si tout allait. Il ratait ses opportunités. Que lorsque tu te lèves en prière avec des fardeaux, que Dieu apporte des connexions. C'est quand tu pries que Dieu commence à ouvrir des portes, ouvrir des brèches, ouvrir des connexions. Ouvrir des connexions. C'est venu depuis le moment. Némi, lisez bien. Némi a eu recours aux connexions du roi. Mais dès le moment où il a porté la peine de Jérusalem, Dieu cherche un Némi dans une famille. Un Némi qui peut-être même va dire, bon, je suis arrivé en Europe, ça va. Il va dire, non, ça ira quand les autres iront. Quand les autres vont connaître mon Jésus. Quand les autres vont voir la gloire de Dieu. Apocalypse chapitre 3. Pour chuter. Dans Apocalypse, le Seigneur, par l'apôtre Jean, a donné sept prophéties à sept églises. Mais laissez-moi vous dire, celle dont vous connaissez plus la prophétie, c'est l'église d'Éphèse. C'est celle que nous, les pasteurs, nous avons beaucoup prêché. Et vous connaissez. Reviens à ton premier amour. C'est l'église d'Éphèse, c'est la première église. Mais aujourd'hui, j'ai ouvert votre esprit
sur le reproche de Dieu à l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Qui connaît, tu connais, reviens à ton premier amour. C'était le reproche de Dieu à l'église d'Éphèse. Mais les sept églises là, ce sont sept messages prophétiques. Ce sont sept âges de l'église. Ce sont sept temps prophétiques de l'église. Ce sont sept saisons dans lesquelles des églises vont traverser. Et la plupart de mes anciens, beaucoup disent que beaucoup de notre génération se trouve comme l'église de Laodicée. Et quand on va lire là, Dieu me dit que oui, c'est vrai. Actuellement, là, beaucoup, on est comme dans l'église de Laodicée. L'église vit comme si elle est dans l'église de Laodicée, avant le réveil que Dieu a prophétisé. Il dit au verset 14, chapitre 3 d'Apocalypse. Tu pourras lire un peu plus en détail à la maison. Prends le temps de méditer. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin, le fidèle et véritable, le commencement de la création. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Qui a déjà entendu ça? Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Donc, ce que tu reproches à cette église, il est en train de dire, pourquoi tu n'es pas constant? Pourquoi tu fais du yo-yo? Pourquoi tu changes comme ça? Froid, tu n'es pas. Bouillant, tu n'es pas. Tu es un mélange d'hybridation. Mélangé un peu avec le monde, mélangé un peu avec l'esprit. À un moment, tu marches par l'esprit. À un moment, tu marches par la chair. À un moment, tu as de bonnes dispositions. À un autre moment, tu perds tes bonnes dispositions. À un moment, c'est ton esprit qui prend le dessus. À un moment, ce sont nos émotions qui prennent le dessus. Et Dieu, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Non, ici, par ce passage, on voit que ce que Dieu n'aime pas, c'est le mélange, l'inconstance, l'irrégularité des deux pieds qui clochent. Parce que pour que quelque chose soit tiède, c'est quelque chose qu'on a mélangé avec un peu de froid, un peu de chaud. Un moment tu pries, un moment tu ne pries pas. Et ça nous parle à nous tous. Un moment se consacre, un moment ne se consacre pas. Il dit, comme tu es tiède là, moi je vomis ça. Tiens ton voisin, Seigneur, enlève la tiédeur de ma marche chrétienne. Tiède. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Et regarde encore verset 17. Il dit, parce que tu dis, dès que la personne là, l'église, tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Quelqu'un qui dit que je n'ai, la personne dit, il reproche à cette église. Toi, église, tu dis que tu n'as besoin de rien. Tu dis que tu es arrivé. Tu dis que ça te suffit. Et même d'ailleurs, même tu dis que le travail que tu as là, c'est riche pour toi. Tandis que le Seigneur dit, parce que tu ne sais pas que tu es malade, malheureux. Tu ne sais pas que tu es misérable. Tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu ne sais pas que tu es aveugle et nu. Il dit, je te conseille d'acheter de moi. Donc, c'est-à-dire que le problème de cette église, c'est-à-dire qu'elle se satisfait. Elle se plaît. Elle se donne même des slogans comme si tout est fini. C'est comme la vie d'une personne qui se dit que non. Ah, c'est bien, ça donne bien là où je suis. Mais Dieu dit que tu es pauvre. Ça donne bien là où tu es. Dieu dit que tu es nu. Dieu dit que ce n'est pas fini. C'est Dieu qui doit te dire que si c'est fini. C'est pas toi qui dois définir que tu as réussi. C'est pas nous qui devons dire que non. Ah, j'ai eu ce que je voulais. Ah, c'est bon. Ça va maintenant chez moi. Tandis que Dieu dit, hey, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi tu me dis que ça va? Ici, là, c'est pas de la confession positive. Hein. C'est ce que j'appelle l'illusion, l'entêtement. Vous avez des gens, ils savent que ça ne va pas. Mais en fait, ils l'ont entêté. Ça, là, c'est la sorcellerie. L'entêtement. Quelqu'un qui croit quelque chose qui n'y est pas. C'est pas la foi, ça. Ça, c'est pas la foi. Parce que la foi, là, constate son état actuel et projette son état futur. Mais le genre de pensée qu'on a où on est aveugle de notre état.
et puis on veut quelque chose, on se procède dans quelque chose pour lequel on n'arrivera jamais. Ça, c'est de la prétention. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de la suffisance. Il dit, tu dis que tu es riche. C'est de la suffisance. Tu dis que ça va sur toi. Il dit, ça, c'est de la suffisance. Parce que quand lui regarde, il dit que ce n'est pas ça. C'est Dieu qui doit te dire que ce n'est pas encore ça. C'est Dieu qui doit te dire que tu n'as pas encore assez prié. Il me donne cette image. Toi, tu as prié une heure. Tu t'es dit, oh, ça va, j'ai fait mes une heure de prière. Dieu te dit que ce n'est pas encore ça. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? La suffisance, c'est même la suffisance spirituelle qu'on a. J'ai fait mes une heure de prière. J'ai fait mes 30 minutes de prière. C'est bon. Là, il n'y a pas des anciens chrétiens. Il n'y a pas des jeunes. Si tu as dépassé plus de 3 ans dans la foi, te contenter des 30 minutes de prière, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et puis on se contente des petites choses. Et puis on se dit que c'est bon. Ah, j'ai prié. Ah non, tu sais, le 1 jour de jeûne, c'est bon, ça me suffit. Dieu dit, ça ne suffit pas. À chaque degré, Dieu va te dire si ça va ou si ça ne va pas. Vous me comprenez? C'est que toi, tu fais, tu te dis que ça, ça va être bien, ça. C'est Dieu qui doit te dire si c'est suffisant ou pas. Vous me comprenez? À chaque dimension, il y a une attente du ciel. L'esprit de suffisance fait que quelqu'un perd le cœur brisé. Et c'était le contraire de cœur brisé que cette église avait. Un cœur suffisant. Ça, ça me suffit. Cette petite chose, ça me suffit. Ah, je fais mes prières, l'essentiel, c'est bon. Je fais mes prières. Si tu savais là où Dieu voulait t'emmener. Donc quand quelqu'un perd cette sensibilité, il ne peut pas savoir que Dieu lui demande un peu plus. Dieu lui demande un peu plus. Lis un peu plus le verset. Lis un peu plus le chapitre. Passe un peu plus de temps. Vous me comprenez? Lui lit un peu et puis dit, ah c'est bon, je suis riche. Ah c'est bon, je suis arrivé. Ah c'est bon, je connais. Ah c'est bon, je sais. Il dit, je te conseille au verset 18 d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. C'est dans la main de Dieu qu'on prend les choses. Tiens ton voisin. C'est dans sa main qu'on prend les choses. Les choses ne viennent pas de ta main, les choses viennent de la main de Dieu. Tu dois les payer et les prendre dans la main de Dieu. Et si Dieu te dit que ce n'est pas suffisant, tu dois encore continuer. C'est lui qui est le maître. Il dit, avec de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Donc c'est la volonté de Dieu qu'il devienne riche, cette église-là. C'est la volonté de Dieu qu'il soit vêtu d'un vêtement blanc. C'est la volonté de Dieu. Il dit que, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et que le colis pour un de tes yeux, afin qu'il y ait un colis pour un de tes yeux, afin que tu vois. Dieu veut que les conditions changent. Mais il dit, c'est votre histoire où vous mettez dans votre tête que ça suffit ce que vous faites. Que c'est suffisant. Il dit, je te conseille d'acheter. Acheter demande de fournir une bourse, de fournir un effort. Acheter demande souvent d'aller au-delà des sentiers battus. Quelqu'un qui a un cœur brisé va aller acheter la chose spirituelle dans la main de Dieu. Parce que la prière, c'est le coût d'achat de certaines choses. La prière, mais pas n'importe quelle prière. La prière que tu fais juste comme si tu es en train de faire les annonces à l'aéroport. Vous avez vu les annonces à l'aéroport là? C'est-à-dire que toi-même, ton cœur est ailleurs, ta tête est ailleurs. Tu fais juste ça pour juste te faire, pour passer du temps. On est censé, j'ai fait mes prières. Cette prison de prière là, au ciel, ça ne paye rien. C'est les gens de prière où tu sens que tu as une douleur ici. Et tu dis que je vais prier jusqu'à la douleur, à la peine me quitte. Les prières où tu sais que tu calcules tout ce que tu dois dire. Tu sais ce que tu as dit du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas encore ça les prières. Quand quelque chose te tient à cœur, tu gémis pour Dieu. Tiens, t'as dit quoi? Tu gémis pour Dieu. Tu achètes la chose dans la main du Seigneur. Parce qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 55, venez vous qui avez soif, sans argent, mais achetez. Il dit, mais sans argent, mais achetez. Mais il a montré le signe de ceux avec lequel on achète, la soif. Vous me comprenez? Il a dit, venez vous qui avez soif,
et prenez. Achetez sans argent. Donc, avec quoi, Seigneur, on achète? La soif de prendre la main de Dieu. Dis à toi, Seigneur, donne-moi un esprit brisé. Un esprit sensible à tes desseins. Au verset 19, il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et c'est là même, il va nous expliquer. Il dit, aie donc du zèle et répands-toi. Donc ce qu'il est en train de tout reprocher à cette église-là, tu es endormi, tu es manque de zèle, tu manques de ténacité, tu manques d'ardeur, tu manques d'endurance, tu n'es pas assez zélé. En d'autres termes, tout ce qu'il reprochait à cette église de la Odyssée, c'est que ce suffit, tandis qu'elle avait besoin de plus de zèle pour aller prendre les desseins de Dieu à s'accomplir. Dieu cherche des ennemis dans cette génération. Le ciel ne descend sur la terre qu'un homme se met à la brèche. Il a prophétisé à Ézéchiel, je cherche un homme et je n'en trouve pas. Un homme qui va se mettre à la brèche, une femme qui va se mettre à la brèche, quelqu'un qui va se mettre à la brèche pour des causes. Quelqu'un qui est prêt à porter le fardeau de la prière. Que Dieu te donne un esprit de prière. Je vous dis, la bonne chose que Dieu peut vous donner, c'est l'esprit de prière. Vous allez bousculer l'agenda du diable à chaque fois. Vous allez mitrailler les camps de Satan. Parce que Satan est en train de mijoter quelque chose. Quand tu entres en prière, tu entres tellement en prière que tu déchoues le système du diable. Sois l'intercesseur de ta maison. Sois l'intercesseur de ta famille. Sois l'intercesseur de ton église. Mais il dit, je cherche, je n'en trouve pas. Parce que tout le monde est suffisant. Tout le monde fuit. Fuit le fardeau de Dieu. Tout le monde est insensible aux causes de Dieu. Il dit, je cherche, je n'en trouve pas. C'est pas que je cherche, je n'en trouve pas. Quelqu'un qui va se mettre à la brèche. Se mettre à la brèche, je vais accepter de porter la charge. Est-ce que tu sais qu'il y a des situations qui doivent bouger? Ça attend que tu te lèves. Ça attend qu'il a dit, aie donc du zèle. Aie donc du zèle. C'est ça qu'il est arrivé à la conclusion avec cette église. Aie donc du zèle. Tu es trop tiède. Tu es trop tiède. Aie donc du zèle. Bouge-toi un peu. Touche quelqu'un, dis-lui, bouge-toi un peu. Dis-lui, bouge-toi. Réveille-toi au moins. Pourquoi es-tu endormi? Pourquoi te plais-tu tandis que tout n'est pas encore fini? Pourquoi t'assois-tu tandis que tu n'es pas encore arrivé? Qui t'a fait asseoir? Qui t'a ralenti? Je le maudis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui t'a arrêté si facilement? Il dit, vous qui courez si bien, qui vous a arrêté? Vous qui courez si bien, qui vous a arrêté? Qui t'a arrêté, je le dégage de ton chemin au nom de Jésus. Il dit aux Galates, qui vous a envoûté? Qui t'a prêché notre évangile? Qui a mis autre chose dans ta tête? Qui t'a raconté des bêtises? Qui t'a découragé à ce point? Qui t'a ralenti à ce point? Celui qui l'expire ce matin au nom de Jésus. Qui a bloqué ton élan? Quelle situation tu as laissé t'abattre? Quelle situation tu as laissé te dominer? Tu es fait pour dominer les situations. Quelle brave raison de toi? Tiens, ton voisin, tu n'étais pas comme ça avant. Tu n'étais pas comme ça que je te connaissais en Christ. Tu l'as dit à ton voisin, et donc tu sais. Tu lui reprends-toi. Lève-toi et réveille-toi. La course n'est pas finie. La course n'est pas finie. Pourquoi tu t'arrêtes avant l'heure? Pourquoi t'arrêtes-tu de courir avant l'heure? Pourquoi ralentis-tu tes pas? La bête n'a pas encore sifflé la fin. Mais pourquoi tu commences à t'amenuiser? Pourquoi commencer à détourner le regard? Tandis
sur carrière ouverte l'esprit du Seigneur. Tandis qu'avant tu avais les yeux focalisés sur le Seigneur, l'amour de ton cœur, qui a volé l'amour de ton cœur, qui t'a détourné de ton Seigneur, qui a détourné tes regards et a mis tes regards sur les autres pour que la grâce des autres te décourage, qui t'a aveuglé, qui t'a fait perdre de vue l'essentiel. C'est des questions. Parce qu'à la fin du message, il y a des questions. Et toi seul, tu dois y répondre. Qui t'a ramolli? Qui t'a ramolli? Touche quelqu'un, dis-lui, qui t'a ramolli? Tu dois aller de gloire en gloire, mais toi, c'est de gloire en défaite. Qui t'a fait chanter des slogans et de ne pas mettre tes genoux par terre pour voir ces slogans-là s'accomplir? Qui nous a fait aimer les paroles et ne pas aimer la puissance qui donne vie à ces paroles? On aime. Quand on écrit, tu vas être béni. Sur Insta, tu vas voir tout le monde aime. Mais qui va prendre cette parole va dire, je veux la voir s'accomplir. Qui t'a fait toi aimer manger la nourriture? Toi qui jeûnais. Nous qui jeûnions, qui nous a fait pour aimer la nourriture à ce point? Toi qui priais plus que ça, qui t'a diminué? Qui t'a diminué? Qui éteint ce feu-là? Tu dois répondre à cette question. Aide donc du zèle. C'était le conseil du Seigneur. Aide donc du zèle. Aide donc du zèle. Réprends-toi. Lion, lion, réprends-toi. Tu es plus fort que ce que tu le penses. Il y a en toi plus fort que ce que tu le penses. Tu peux dire que c'est plus lourd que moi, mais Dieu te dit ce qui est en toi est plus fort que ce que tu penses lourd. Que tes yeux soient ouverts. Que ton esprit soit ouvert. Que tu comprennes là où Dieu t'attend. Toute cette saison, c'est le temps où tu dois être en prière. Que ça ne s'arrête pas aujourd'hui dimanche. Acclame Dieu pour sa parole. Nous voulons achever en prenant la Sainte Cène. Si tu as ton dixième ou ton offrande, tu peux la beauté, mais je veux prier pour les dîmes, je veux prier pour les offrandes, je veux te prier pour les dîmes, la dîme de tes enfants, agrée les dîmes, agrée les dîmes, agrée les dîmes. Vous savez, un jour Dieu m'a dit, tu es peut-être fidèle dans tes dîmes, est-ce que tu peux travailler ta fidélité dans ma communion avec toi et te dis que est-ce que j'ai payé ma dîme de la journée en termes de passer du temps avec Dieu? Parce que souvent nous sommes fiers quand je donne ma dîme. À quoi ça sert de donner la dîme de l'argent qui n'est pas toi et que toi tu sois absent de la présence de Dieu? Si tu présentes ton argent et tu présentes toi dans la présence de Dieu, tu penses que Dieu va prendre qui? Dieu va prendre toi. C'est quand toi tu viens que ton argent peut te suivre. Moi je n'aime pas la vie chrétienne où on veut se donner bonne conscience. Parce que quand on est froid, on n'a pas l'esprit du zèle, on veut se donner bonne conscience, on veut donner beaucoup d'argent à Dieu. Tiens. Et ça, on dit que ça bénit. On dit que ça bénit. C'est pas ça qu'il faut dire. C'est un mensonge de croire que tu n'as pas fait ta part et puis tu vas venir. Tu prends, tu donnes. Tu dis parce qu'on a dit que ça bénit. Quand tu prends, tu donnes. Il faut que ton cœur aussi soit à genoux. Vous me comprenez? Parce que ne rend pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je vous dis que c'est un mensonge
de quoi qu'on va donner beaucoup à Dieu pour soulager sa conscience d'être absent de sa présence. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner, mais ça veut dire qu'il faut savoir faire la part des choses. Beaucoup d'argent donné à Dieu ne règle pas forcément tes problèmes. Et souvent, les gens fuient leur réalité. Surtout nous, les chrétiens évangéliques, on fuit nos réalités. On veut acheter Dieu. Homme de Dieu, j'ai une offrande pour toi. Je n'avais que faire de ton offrande si ton cœur n'est pas à Dieu. Homme de Dieu, je veux te bénir. Tu ne peux pas me bénir. Viens te connecter à la bénédiction. Souvent, même des gens ne prient pas. Non, je veux venir semer. Sème, c'est ce que tu veux. Est-ce que ton cœur est attaché au Seigneur? Est-ce que ton cœur est attaché au Seigneur? Est-ce que tu peux être fidèle dans tes offrandes spirituelles? Au-delà des offrandes physiques, donner l'argent à un moment, ça devient facile. Oui. Mais diviser tes 24 heures et dire que les 12 heures, tu vas les donner à Dieu. C'est là que le ciel va te voir. Mais je sais que si on parle, tu peux diviser ton salaire et donner à Dieu parce que tu vas dire que c'est sacrifice. Est-ce que tu peux diviser tes 24 heures et que tu peux pas les 12 heures là, je suis enfermé dans la présence de Dieu. Quand tes sacrifices spirituels ne sont pas proportionnels à tes sacrifices physiques, c'est que tu n'es pas encore monté aussi. Monté. Acclame Dieu pour sa parole.